Et bonjour, épisode 3 de notre let's play sur Bloodborne, j'espère que vous allez bien. J'ai fermé un petit peu quelques échos de sang. Mon arme s'est cassée, je l'ai réparée, Pépita elle est là. Bien donc chez vous, bon chasseur. Je sais pas ce qu'elle fout là, mais... Ah oui, j'ai récupéré un objet, une petite cloche, apparemment, puisque j'ai de la lucidité. Très bien, laissez-moi. On va enfin s'améliorer. Ah oui, j'ai utilisé une gourde sans faire exprès. Alors, j'avais un peu réfléchi. Je me suis dit, en vrai, j'ai envie de tenter l'ésotérisme un peu. Mais surtout jouer full compétence. Enfin, peut-être pas autant. On va mettre un point en endurance aussi. Mettre un point en vita. Au moins un point en vita. Et après, j'ai plus assez, de toute façon. Donc, voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Allez. De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. Sachant que je pourrais améliorer mon arme aussi. Mais je suis pas sûr que j'améliore cette arme-là, quoi. Alors ça, là. Bonjour. Achetez avec de la lucidité. Faites des échanges avec les messagers contre de la lucidité. Yes. Yes. Bah, let's go, du coup. C'est votre lucidité sonner la cloche d'appel pour demander la coopération des chasseurs d'autres mondes. Les silences mettent un terme à ces formes de coopération. Ah bah yes. Voilà. Bah c'est un truc comme ça que j'ai eu, mais autre chose du coup. Par contre, Soyez prudent avec le chemin caché, mais rappelez-vous de la pluie. Ouais, quel chemin caché? Y'a pas de chemin caché là. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, les chétifs, habitants du rêve. Ils trouvent les chasseurs tels que vous, les vénèrent et les assistent. Ils ne parlent pas. Mais ne sont-ils pas adorables? Si tu parles d'espèces de squelettes là, non. Hein. Absolument pas ma définition du terme adorable. Mais bon. Il s'agit de la souche. Yes. Il est où, bah? Lune formidable. Quelle lune. Ah oui, la lune là. Quelle lune. Yes. Ok, bon bah on est reparti. Donc j'ai récupéré un petit peu, voilà, j'ai des fioles de sang, normalement, on est paré. Et surtout, on a appris qu'on pouvait contrer le boss dans notre dernier try. Que finalement, le gun pouvait servir contre le boss. Donc comme quoi, c'est pas la taille qui compte. Bon, pièce étincelante, ah oui, ça aussi j'en ai looté. Après, d'ailleurs, les rosées de nécrosant, parce que ça j'en ai, je crois, des trucs comme ça. Ça c'est l'équivalent des âmes... Des âmes... Ah, je sais plus le nom. Bah, en gros, des âmes de Dark Souls que tu pouvais utiliser pour récupérer des âmes. J'imagine. Alors, je me suis fait mon petit stuff. J'ai récupéré une fiole de sang de Yosef K. À la clinique. Elle a été sympa, elle m'en a redonné. Ah oui, j'ai pu découvrir un truc, à savoir que les échos de sang, c'est pas forcément un ennemi qui les loot. C'est un truc que je savais pas. Hein. Je vais pas affronter le boss avec ce niveau de vie. Je vais quand même pas claquer mes fioles de sang avant d'entrer dans... Non, mais non, non. Non. La réponse est non. Donc ce qu'on va faire... On va se re-TP et on va rush. On va rush jusqu'au boss. Mais ouais, du coup, ouais, non, je pense qu'on va essayer de jouer un deck... Un deck. un build compétence ésotérisme. Jusqu'à ce que je change d'avis et que je foute tout dans la force. Et dans la vitalité. Et l'endurance. Vous sentez l'incohérence? Vous sentez l'incohérence venir? Non mais en fait on verra après le truc, c'est que je connais pas encore les armes du jeu, je connais pas encore tout le fonctionnement.
Vous avez pas dit que je rushais? Allez. Allez, la sale bête, elle est là. Vraiment, on lui fait un peu plus de dégâts. Quoi? Oh bah oui, yes. La chope. Ah, je suis pas mort encore. Je suis pas mort. Non mais, la cam. Caméra, caméra. Alors comment on le... J'ai voulu le stunlock, évidemment, c'était pas une bonne idée. Ça c'est la chope. Comment on le stun? Quel moment? Je veux pas. J'essaie de comprendre quand est-ce que je peux le stun. Hein. Voilà. Non. Là non plus. T'es sérieux? Non mais ça fait mal. Mais non mais c'est bon là. Connerie. Connerie. Je crois que là je les stun. Enfin je les stun. Mais non je voulais. Je vous jure je voulais esquiver. Je vous promets je voulais. Caméra. Caméra. Ouais, ça lui fait mal quand même. Pas la seule chose qui a fait mal. Vous voyez qu'il est encore recouvert d'huile? Mais non! Ah, ça fait des dégâts ça. Hein. Zéro. Zéro parce que je l'ai pas touché. On est d'accord. Ça, je pense que ça peut stun. Yes. C'est cette attaque là par contre. Ok. Hop. Ok. Non. Si.
Calme-toi, calme-toi, calme-toi. J'en ai rien à foutre. Calme-toi. Il s'en fout, hein. Il en a rien à battre, hein. Quand est-ce que je le stun? J'ai réussi à le stun, mais... Si je pouvais comprendre quand. Mais non. Allez. Encore un coup. Encore au moins un coup. Pas là. Pas là. Non. Voilà. Une balle. Et bah c'était pas là. Ah ouais, sale bait, hein. T'es vraiment une sale bait, hein. Ouais, vas-y, continue. Continue, tu m'intéresses. C'est faux. Non, pas du tout. Ça, c'était la chope, je pense. Non. Pas le galet, pas le galet. Ah, ça lui a fait mal, ça. Elle est presque... Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je suis safe. Il est presque mort, mais c'est pas une raison. Ok, il me saute pas directement dessus quand il fait ça. Oui, oui, oui. Voilà. Au secours. Ouais, soyez prudents. Ouais. Et ben voilà. First try. 4 de lucidité. Ouais, j'ai des âmes. Ouais. Bah ok, bah voilà, tout simplement. C'était facile finalement. Yes. Sacré monstre clérical. Sacré boss du tuto. Alors. Plus de vitalité. Plus d'endurance. Bon, pour l'instant, on va jouer vitalité et compétence, hein. Voilà. Parce que ça, c'est des valeurs à peu près sûres. Enfin, qui me semblent à peu près sûres. L'ésotérisme, j'ai encore un doute. Est-ce que ça me sert à quelque chose que j'ai eu? J'ai eu un truc épais, là. Attendez, qu'est-ce que j'ai eu? Voilà, badge de chasseur épée. Badge de chasseur épéiste béni par l'église. C'est quoi? C'est parce que je l'ai battu avec l'épée? Bon. En tout cas, on a réussi, on peut avancer dans le jeu. Ça, c'est beau. Après, il y avait pas... Je crois qu'il y avait d'autres endroits où je suis pas vraiment allé, hein. Genre les espèces d'égouts, là, dégueulasses. Enfin, il y avait des zones que j'ai pas trop visitées, hein. Mais bon. Alors. Qu'est-ce qui se passe par là?
Quel dommage, vraiment. Non mais attendez. Hein? Allô? Bonjour? Faites demi-tour. Lol. Mais Je t'avais oublié, toi. Est-ce que c'est... J'ai eu un badge épée? Non, attendez, retournons au hub. Retournons au hub, histoire de voir... si j'ai pas débloqué un truc. Après tout, pourquoi pas. Après tout, peut-être que j'ai mal regardé. Peut-être que German, il est retour. Il s'en fout de ma vie, German. Hein. Après, j'ai de la lucidité. Attendez, peut-être que je peux acheter un truc au calice de la lucidité. Petit carillon. On s'en fout. On s'en fout. Yes. Est-ce qu'ils ont des nouveaux objets, eux? Une lanterne. C'est des armes à deux mains en éclairant. Ça peut être pratique, mais... Pilule médicinale neutralisant l'effet du poison. Médaillon du clé des... du chef des chasseurs. Clé du portail de la place de la grande cathédrale. Une épée marteau. Pistolet à répétition. C'est bien ça, l'épée marteau, non? Je sais pas. Ça me donne envie. Vous savez quoi? Attendez. Vous savez quoi? On va faire un truc. Non. Inventaire. Ça. Utiliser. 1, ça me donne combien? 350. Yes. Ça, ça me donne combien? 1000. Voilà. Et tu me prends cette épée. Et on change d'arme. Et je ne peux pas. Parce qu'il me faut... 16 en force. Donc l'inverse des stats que j'ai. Ah, ça a l'air fort, hein. Mais je peux pas. Bah yes. Alors attendez, si je retourne à l'infirmerie... Après tout, on m'avait dit plus ou moins... Attends, c'était le mec au tout début, je crois, qui m'avait dit « Ouais, l'église, il faut aller à l'église et tout. Vous aurez peut-être une chance qu'on vous ouvre, mais en fait, on vous a pas ouvert du tout. » Ouvre la porte principale, mais dans la place ronde de la grande cathédrale. Oui, ça, voilà. Bon, Joseph K, là. Salut. Vous êtes sain et sauf. Dieu merci. Mais rien ne me fera changer d'avis. Je ne peux pas ouvrir la porte. Je vous en prie, essayez. Je prie. Super. Il n'est plus là, le petit loup. Alors attendez. Non mais. Hop. Petite fiole de sang. Par contre, ouais, Pépito là-bas, il a ripop, hein. Je me suis dit, tiens, en fait, je m'étais dit, ah, ça se trouve, c'est un ennemi unique, un peu comme les chevaliers noirs dans Dark Souls. Que dalle. Après, j'ai pas vu combien il me donnait d'âme, mais j'imagine qu'il m'en donne un paquet. Salut. Oui. Je vois. Naruhodo. Le grand pont est le seul moyen d'accéder au faubourg de la cathédrale. Pendant la chasse, le pont est fermé. Vous pourriez essayer l'aqueduc. Il y a une zone, disons, exotique, au sud du Grand Pont. Là-bas se trouve un aqueduc qui mène au faubourg de la cathédrale. Ce n'est pas un endroit qu'on conseille habituellement aux touristes, mais je suppose que vous n'avez pas tellement le choix, n'est-ce pas? Bah, en fait, pour être honnête, de toute façon, toute la ville n'est pas un endroit que je conseillerais aux touristes, hein. Alors attendez, au sud du grand pont. Ouais, tiens, je vais t'aider. Regarde. Je vais t'aider. Mais alors attendez. Est-ce que c'est ce que je pense? L'aqueduc. Après, attendez, parce que en vrai, j'ai d'autres zones que je peux visiter, ceci dit. Genre vers là. Ah ouais. Deux hommes gratuites, hein, je prends. Sachez-le, je prends. J'ai esquivé trop tard. Du coup, j'ai pas esquivé.
sais encore. Ah, mais oui. À moins que... Non. Oui, bon, vous autres, hein. Ouais, c'est bon, ça va. En fait, les lanternes, ça m'indique les gens à qui je peux parler. Ouais, là, je suis pas allé. C'est vrai que je suis pas allé par là. Enfin, je suis pas allé. Si, j'y suis un peu allé. Je sais pas jusqu'où je suis allé ici. Je sais que j'ai fait tomber des loots que j'ai jamais récupérés. Mais après, le reste... Pour le reste, je sais pas. L'aqueduc. Bon, je me dirige pas du tout au bon endroit, hein, je sais. Mais bon. Mais attendez, si, je suis allé là ou pas? J'arrive pas à être sûr. Ah. J'aurais dû mieux regarder ce que j'avais looté. Je crois que c'est une arme, mais je suis pas sûr. Salut. Mais quoi? Touché. Sale bait. Oh non. Ah, oh, c'est bon. Ah mais oui, là je me rappelle, I remember. C'était la sauce par là, non? Par là, c'était un peu la sauce. Après, c'est exotique. Après, c'est un lieu que je qualifierais d'exotique. Quelque part. Mais je suis pas sûr que ce soit au sud du Grand Pont. Parce que, attendez, ça menait où? Où est-ce qu'on arrive ici? Putain, j'ai cru qu'il y avait un ennemi. Pas du tout. Pourquoi je l'ai pas backstab là? Ouais. Le problème c'est que comme j'ai aucun souvenir de cette zone, je me rappelle y être allé mais je me rappelle pas où ça me mène. J'aimerais bien essayer de me resituer un peu. Ah attends, ça me parle. Ah mais oui, là on est... D'accord. Oui. Ok. I see.
Il y avait pas un autre chemin? Il me semblait avoir vu un autre chemin. Absolument pas. Alors comment on va là-bas? Comment on peut choper le loot qui est là-bas? C'est peut-être pas un loot. Si c'est un... Non, c'est une lanterne. On s'en fout. On y est peut-être déjà passé. Bon. C'est par là. On va retourner. On va aller dans cet endroit des enfers. Même si j'ai probablement rien à faire ici. Et que ça doit être sûrement... de l'autre côté que je dois aller. Quoique, en vrai... Qu'est-ce que c'est que ces choses? Bon, ça a l'air assez lent. Mais ça veut pas dire que c'est pas dangereux. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ah, ça a l'air de mettre du poison. Allez, venez. Petit. Je sais pas pourquoi je sens que si ça me chope, ça va me faire mal. Ah mais il y en a là aussi, oh là là. Aïe. Ouais. Effectivement, ça fait mal. Ça loot quoi? Une fiole de sang. Non, encore oui. Ah ouais, c'est ça, vomis-moi la gueule, ouais. Je dirais rien. Ok. Coucou. Bah ouais. Alors. Y'a rien ici. Après, cette zone n'a pas l'air d'être hors de mon level, hein. Donc... Je t'ai laissé une chance, hein. Mais t'as voulu te réveiller. Pas ma faute. Je suis pour rien, moi. Deux, trois, quatre. D'accord.
meurs. Ah, ça me rappelle des bonnes ambiances de Dark Souls, ça. Ça me rappelle Dark Souls 1. Yes. Montons. Avant d'aller voir ce qu'il y a encore... Quoi ? D'accord. Avant d'aller voir ce qu'il y a dans les profondeurs, montons. On arrive où, là ? Est-ce qu'on peut pas débloquer un petit raccourci ? Des familles. Oh, un pont ! Oh ! Oh, attendez ! Est-ce qu'il y a moyen ? J'ai envoyé l'ascenseur, on ira voir ce où il mène après. Ah. Ceci dit, là, ça a l'air d'être un bel objectif en tout cas. Oup. Ok. Aïe. Mais je commence à être un peu plus à l'aise avec le système de combat. Ce qui ne veut pas dire que je suis à l'aise. Un peu plus, quoi. Je commence à être conscient de ce que je fais. C'est déjà bien. C'est une malédiction. Ah. Le problème, c'est que dès que je vois un chemin, j'y vais. J'ai pas envie. L'endroit étroit est efficace. Soyez prudent avec la chute. Oh, j'ai hâte. Il y a un fond, hein. Mais bon. Et paf dans le cul. Et il a disparu. Un autre badge. Du coup, là, j'imagine que ça me ramène à l'autre escalier. Ouais. Ok. Donc, si j'avais continué tout droit, je me serais fait exploser par un animal. Mais fort heureusement, j'avais décidé de monter. Et finalement, c'est un des actes les plus lucides que j'ai pu faire. On va prendre le galet. J'ai pas envie d'utiliser ma fiole sans faire exprès. Bon. Je sais pas si c'est vraiment la bonne direction. Mais j'ai envie d'y croire. En tout cas, ça a l'air abordable, quoi. Ça a l'air de mon niveau. Et voilà. Heureusement que je suis un... Nérable. Oh non, c'est... Alors lui, c'est... Oui, c'est...
C'est un comme ça qui m'avait défoncé il y a un ou deux épisodes. En même temps, il y a eu que trois épisodes, donc forcément, c'était un ou deux épisodes, quoi. Mais. Yes. Marque du chasseur téméraire. Oui, non, ça oui. Ça oui, je vois. Ça, c'est un truc qui me permet de revenir au hub. Avec ou sans mes âmes, je ne sais pas. Quelle idée de mettre un message là. Oulala. Craignez chasseur de chasseurs, donc c'est le fléau de. Hein, ouais. N'abandonnez pas. Oh, ça sent le boss ça. Non mais on va déjà se retaper un boss. Je suis pas sûr là. Vous savez quoi, on va faire un truc. Voilà. Yes. Ah mais il était dans la cinématique lui. Des monstres partout autour de moi. Vous serez comme eux, tôt ou tard. Yes. Le père Gascoigne. Oh le bâtard. Non mais c'est mes armes ça. Ah ouais, super. Après, en vrai, je peux faire. Ouais, j'ai rien dit. Quoi? Moi aussi, je veux te cancel. Paf! Je peux faire un boss humain, hein. Au moins t'as des patterns clairs. Aïe. Non. Trop de fierté. J'ai pas pu me. C'est votre véritable visage. Mais c'était de la chasse. J'ai pas pu me heal. Oh. Les deux ou trois fois où j'essaie de me heal, il m'a cancel avec un coup. Bâtard. Ok. Par contre, il faut que je revienne ici. Ah, bonne ambiance ici, en tout cas. Sympa. En fait, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que je suis censé aller là maintenant ou pas? Mais bon. Parce que disons que l'enchaînement des boss me paraît un peu rapide. Ah, mais j'ai jamais. Attendez. Parce qu'en fait, j'allais dire, j'ai jamais débloqué de raccourci. Mais la vérité, la vraie vérité. La vérité. La vérité, c'est que je suis jamais regardé mon ascenseur, là. Et, il y a peut-être moyen que mon ascenseur, il me ramenait bien et bien là. Non, ça. Donc j'ai bel et bien débloqué un raccourci, On va le faire remonter au cas où. Tu veux pas déclencher le. Déclenche la bouboule. La bouboule. Ah voilà. Mais donc non, on a débloqué un raccourci. Ça va. Ce que je me disais, ça me paraissait bizarre quoi. Ça me paraissait bizarre qu'on mette un boss qui
jusqu'à 2000 mètres sans raccourci. Mais ce n'était pas le cas. Non. Je peux me laisser... Ouais. C'est bien de le tout. Oh là là, ce try va être dégueulasse, je sens. Mais non, mais. En fait, je vais apprendre à le cancel, mais. Je sais pas si c'est une bonne idée. Si, si, dans tous les cas, c'est une bonne idée. Quel est le timing ? Avant qu'il attaque, quoi. Ah, il a changé son arme. Il a changé de mode d'arme. La vérité, c'est que je panique trop et je me coince dans les arbres et... Putain, par contre, son moulinet, là... Il s'est fait un petit 360, il m'a ouvert la gueule. Pas aimé, hein. Mais au moins, on sait où il est. Donc let's go. Il est sympa, ce combat. J'aime bien, en tout cas. Ça me... Il y a des vibes de Genichiro. Allez, let's go. On y retourne. Alors, où sont mes âmes ? Enfin, mes sangs. Connard. Connard. Non, mais... Ça va être par là, normalement. Voilà. Oh le bat. Ah, j'ai voulu tirer au même moment que lui, quoi. Non mais. Oh non. Lent à me soigner d'un coup. Quoi ? Sans déconner. Là, ok, je veux bien. Non,
Bon, après son moulinet, il fait un coup de feu. D'accord. Non mais. Putain. Il touche quand même quoi. Non, ouais, non mais là je le savais. Là je savais que quand j'ai voulu me soigner, c'était pas le bon moment. Vas-y, attaque. Aïe. Vas-y, attaque. Je suis prêt. Hein? Ah mais non. C'est pas la phase 2. Après c'est moi le monstre hein. Non, je l'avais stagger. Mais non. Attendez, il m'a mis un imbloquable là. Comment je faisais? Oh la vie qui lui restait. Terrible. Va-t-on réussir? On se laisse encore 2 tries sur cet épisode? On a fait un boss sur cet épisode, ça va, on peut se permettre de faire 2 tries et de le faire au prochain, quoi. Par contre, le truc qui est en train de m'inquiéter un peu, c'est les fioles de sang. C'est que là, je suis en train de puiser un petit peu dans mes réserves, quoi. Ouais non parce que le souci que je pourrais éventuellement finir par avoir aussi c'est au niveau des balles. Donc ouais c'est pour ça je pense que on se fait 1 ou 2 tries. Et si ça passe pas je me referai mon stock pour le prochain épisode quoi. Allez, on y retourne. Non mais, vas-y. Yes. Non mais tu peux le toucher. Où est mon sang? Il est là. Ah ouais d'accord. Pas vraiment à l'endroit de ma mort. Mais bon. Pourquoi? Parce que je le fais trop tard. Je pense que ça doit être ça. Non. Je dois être mal placé hein. Il est déjà passé en 2 mains. Est-ce que moi aussi je peux tenir mon arme à 2 mains d'ailleurs? Mais non mais...
maintenant. Oh, c'est... Au secours! Bah ouais, mais... Putain, mais la zone de combat, quoi. La vérité, c'est que j'ai pas cru. Non! Non, mais non, mais j'y vois rien. J'y vois rien, je peux rien faire. C'est pas... C'est dégueulasse. J'ai jamais récupéré mes... Si, je les ai récupérés. C'était dégueulasse, là. Je pouvais rien faire. Il m'a bloqué. Ou alors j'aurais peut-être dû essayer de d'esquiver de l'autre côté. Peut-être que ça pouvait marcher. Ou peut-être que j'aurais dû le taper. Bon. This is the last try of the video. Ah ouais, j'ai plus que 12 fioles de sang. Ouais. C'est définitivement le dernier try. Let's go. T'es sérieux? Où sont mes âmes? Où est mon sang? Attends. Ouais. Là, y'a pas de mind game. Non, mais non. Je voulais le stun, mais ça n'a pas marché. Ah
ma stamina. Putain, mais quoi? Vraiment, je suis gratuit quoi. Une balle. Hein. Autant vous dire que je vais la garder pour essayer de le stun quand il sera en phase de loup. Oh mais non. Ah mais non, mais c'est vrai que je peux. C'est vrai que je peux échanger des balles contre du sang aussi. Mais bon. La garder, je ne l'ai pas gardé. Pour de fierté pour montrer votre véritable visage, mais c'était de la chasse sportive. Et ben c'est un échec. Pas facile ce boss, mais en même temps vachement sympa. J'aime bien le système du boss. Il faut que je sois plus au taquet sur les esquives, hein, voilà. Mais bon, sur ce, on va se dire à la prochaine pour la suite de Bloodborne, hein. On se retrouvera la prochaine fois du coup pour prendre notre revanche, se refaire du stock, enfin non, se refaire du stock je le ferai en off, mais hein, voilà, on prendra notre revanche sur le père Gascogne, parce qu'il m'a un peu trop cogné à mon goût. Par contre le seul problème que j'ai, c'est que je me dis que malheureusement c'est pas impossible qu'en farmant je finisse par mourir et donc perdre mes âmes. Auquel cas on perdrait 5000 âmes. Bon, c'est chiant, c'est méga chiant si jamais ça arrive. Mais si ça doit arriver, ça arrivera. Tout ce que j'ai à dire. Juste je vais me TP ici. Pour essayer de lock ce TP là. Parce que j'en ai un peu marre de Ripop de l'autre côté. Mais bon bref, en tout cas j'espère que ça vous aura quand même plu. On aura réussi à battre le monstre clérical, donc déjà, c'est une victoire. Maintenant, il y a un nouveau boss dont on doit s'occuper, quoi. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.